Les tirs sont devenus quasi quotidiens, tant à Gaza qu'à la frontière entre Israël et le Liban. Après 10 mois de conflit, le ministre israélien de la Défense évalue ses options. Devant l'Iran, qui affirme qu'Israël n'a ni la capacité ni la force de lui déclarer la guerre, et qui considère qu'Israël n'a qu'une idée en tête, étendre son conflit au Moyen-Orient. On fait des attaques, on entre dans les territoires, des fois on fait des assassinats ciblés. On sait très bien que la Mossad, les forces secrètes israéliennes ont beaucoup de présence en Iran. Mais là, est-ce qu'ils vont continuer à agir de la sorte? C'est de plus en plus inquiétant parce que les cibles sont de plus en plus à haut niveau et des attaques directes comme ça à travers la frontière. Tout le monde est très, très nerveux par rapport à la situation géopolitique. Mais une chose est certaine, d'un côté comme de l'autre, on se prépare au pire. En Israël, on fait des réserves de sang, d'eau et de matériel médical. Si jamais le Hezbollah libanais ou l'Iran devaient attaquer le pays. Tandis qu'au Liban, certains hôpitaux forment tout leur personnel pour prendre en charge d'éventuels patients blessés. À l'aéroport de Beyrouth, plusieurs touristes retournent à la maison plus tôt que prévu. Pour certains, la pression du conflit y joue pour beaucoup. Pour sa part, le Canada continue de planifier une évacuation d'urgence de ses ressortissants au Liban. Une trentaine de membres des forces armées canadiennes ont d'ailleurs été dépêchés à Chypre et d'autres endroits clés dans la région. Ici, Gabriel Proulx, Radio-Canada, Montréal.